Bienvenue sur VTT Attitude. On est aujourd'hui à Auriol avec le club VTT de la Sainte-Baume pour la rando La Réganaise. A tout de suite en vidéo. Je suis Hervé Bagnol, je suis donc un co-organisateur du club de Sainte-Baume avec Philippe Champagne et tous les collègues bénévoles de la section. Ouais. Et comme tous les deux ans, on organise cette randonnée, quoi, cette année sur le massif de la Réganaise et dans deux ans sur le massif de la Lare. La direction, que c'est le croisement, oui. Et quand il y a les séparations. Salut, avec Lulu. Ça va? On se retrouve sur les randos, c'est chouette. Le monde est petit. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir en tout cas. Allez. Ciao, bon rando. Ciao. On est parti. Oh putain. Qu'est-ce qui va nous attendre un petit peu sur cette sortie? Vous avez beaucoup. Alors, il y a un parcours de 20 km pour les familles, les enfants, un parcours de 37 pour les randonneurs avertis, et un parcours de 45 pour les randonneurs un peu techniques. Voilà. Hein, une boucle de 8 de plus qui est assez technique, pas trop dénivelée, mais assez technique. C'est technique. Voilà. Les 4 premiers kilomètres alors. Ah, ça va? Tranquille. Encore frais? Pour une reprise, ça va. Ça va, ça va. Ça va, c'est bien? Ouais. Ça va bien? Ouais. On va avoir beaucoup de DFCI. Par contre, pas trop de DFCI. Justement, on a ouvert beaucoup de. Enfin, on a ouvert beaucoup de chemins. On a nettoyé beaucoup de chemins, quoi, hein, et beaucoup de monotraces surtout. Surtout beaucoup de monotraces. On va se régaler alors. Donc, monotraces techniques en montée, en descente? En montée, en descente. Technique, alors quand je dis technique, c'est un grand mot, quoi. Donc, hein, ceux qui roulent bien, donc bon, ils auront ça donc, avec plaisir, quoi, hein. Ceux qui ne roulent pas trop, donc c'est pour ça qu'il y a une 37 qui est bien pour eux aussi, quoi. Super rando, la Réganaise, quelque chose à faire pour ceux qui ne connaissent pas, le Régania, massif magnifique, des Bouches-du-Rhône, bravo VTT Sainte-Baume, bravo Philippe Champagne et tous les bénévoles, yo! Ça remonte un petit peu. Les sentiers bien sympas, on y laisse un petit peu du jus, mais ça change des DFCI quoi.
Premier ravito. Bonjour messieurs, merci à vous. Bon, le club de la Rove, qu'est-ce qu'il en pense alors de cette première partie? Ouais. Ça nous charge bien. Il y a des arbres, c'est bien. Des joueurs, c'est ce qu'il fallait. Et bien en arrière. Passage bien technique aussi, et un gros avantage, des rillettes sur le ravito à 9h du mat. Moi je dis ça, c'est inestimable. Allez, deuxième ravito en bout. On va essayer de se refaire à banane, mais je pense malheureusement que celle-là, j'irai pas au bout. Allez, deuxième ravito, on prend le même et on recommence. Allô. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Nickel, je prends un collègue. Ah, pourquoi il traîne? Tu vas trop vite après. Ah ouais, mais le problème, moi, c'est qu'ils m'attendent. Ah oui. C'est pour ça que je pensais que c'était tout droit. Bon ben, un petit peu honte, mais coup de mou aujourd'hui sur ce rando. J'ai coupé 37 au lieu de 45. Et ramenez la prochaine. Petit mot de la fin. Ouais. Ben, bien belle rando. En plus sur un super vélo. Maintenant, il faut que je me repose parce que je suis cassé.